C'est ici, au bord de ce ruisseau, que le corps de Lynn a été retrouvé hier, immergé dans l'eau. Jusqu'à cet après-midi, les gendarmes barraient la route qui mène au secteur où ont eu lieu les recherches. C'est dans la commune de Sermoise-sur-Loire, 1600 habitants dans la Nièvre, à quelques minutes de Nevers, que la dépouille de Lina a été découverte. Le maire est sous le choc. Il assure que cette zone est difficile d'accès. C'est une route qui est peu fréquentée, elle est juste fréquentée par les habitants. Et pour ceux qui veulent aller plus vite sur Magnicourt, qui coupe à travers, ben, il faut vraiment connaître cette route. D'ici là, imaginez une seule seconde qu'on pouvait la retrouver ici à Sermoise-sur-Loire, une petite ville de 1600 habitants. Je suis attristé, c'est choquant, enfin, sincèrement c'est choquant. Ce sont les analyses ADN qui ont permis d'identifier et de retrouver le corps de Lina. Les enquêteurs se sont aussi appuyés sur la localisation du véhicule du principal suspect, Samuel Gonin. Son parcours a été retracé depuis des mois jusqu'à mener hier les gendarmes sur cette zone. Dans les prochains jours, des expertises vont être réalisées sur le corps de l'adolescente pour déterminer les causes exactes de sa mort.